C'est qui lui? C'est pas mon gars du début, ça, non? C'est pas le mec du début, lui, si? Pourquoi ils font pas des blonds? Enfin tu vois, ils prennent deux persos et un blond et un brun, comme ça au moins il n'y a pas de... Salut. Périmètre est fermé, monsieur. Restez pas là, s'il vous plaît. Agent Norman Jadon, du FBI. Vous avez une carte ou quelque chose, monsieur Jadon? Oui. Oui, bien sûr. Vous pouvez passer. D'accord, donc oui, c'est notre perso. Je cherche le lieutenant Carter Blake. Est-ce qu'il est là? Je l'ai vu arriver tout à l'heure. Il doit être dans le coin. Merci. Moi aussi, pareil. Franchement, j'ai été surpris. Mais honnêtement, j'ai mis la difficulté la plus poussée et ça se ressent. Je sens que j'ai pas vraiment... Enfin, le timing est hyper serré pour que je fasse les touchants. Voilà. Il y avait une porte là par là. Ah non, c'est juste que là il n'y a plus de grillage. Waouh, les super lunettes. Enregistrement mémo vidéo. Agent 47023 Norman Jadon, mardi 4 octobre 2011. Il est 8h14. C'est quoi ces lunettes? Qu'est-ce que c'est? Ah non! Mais non, remets-les! Ah! Ok. Je peux faire quoi? Vraiment, je serais pas étonné de voir Morgan Freeman débarquer. Ok, j'ai vu du coup. J'ai pas vu ce qu'il a déduit. Je suis con, j'ai pas regardé. Bon, c'est pas grave. Il dit que c'est pas grave. Salut, le lieutenant Blake est dans le coin. C'est qui? Merci. Ah, d'accord. Autre chose. Oh là là. Harry commentaire, relevé sans intérêt, appartient à un des policiers présents sur le terrain. D'accord. Donc là-bas, ouais, il y a un truc. Il y a un truc. Pollen d'orchidée. La concentration de pollen dans l'air diminue rapidement à cause de la pluie, mais elle est plus importante autour du corps. Oh là là, là il y a un corps là.
Harry, commentaire, relevé sans intérêt, appartient à un des policiers présents sur le terrain. D'accord. Quand est-ce qu'on a trouvé le corps? Excusez-moi, mais... Vous êtes qui, exactement? Norman Jedon, FBI. Vous avez des questions, c'est au lieutenant Blake que vous devriez parler, monsieur. Ça le temps, hein? On peut toujours comme ça? L'automne, il pleut. Pas comme ça, chez vous? Ah, si. Si, bien sûr. C'est pas l'air... Fait pas chaud, hein? C'est du café que vous buvez là? On a dans le thermos, derrière vous. Avez-vous? Je le cherche, justement. Vous savez où je peux le trouver? Merci. Je le cherche. Prendre un peu de café. Jamais trop. Je sais pas si c'était une bonne idée. Et là, je décède, empoisonné. Cherchons des indices. Il y a des indices ici. Harry, commentaire. Trace de sang sur la voie ferrée. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Trace de pas continue après la piste de Pollen. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Harry, commentaire. Les particules de pollen se perdent dans les hautes herbes. On dirait que c'est la fin de la piste. Chat crevé. Le FBI ne fiche pas les chats crevés. Pas encore. Mais pourquoi? Pourquoi tant d'animaux morts dans ce jeu? Harry, commentaire, relevé sans intérêt, appartient à un des policiers présents sur le terrain. Nice. Voilà quoi, j'ai vu le tournant. Lieutenant Blake, je suis l'agent Norman Jedon du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin, on m'a dit que vous étiez ici.
Fantastique. Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, vous êtes au bon endroit. Mike, vous pouvez dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes, on s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Bon, vous venez, Jaden? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un type qui emmenait son chien pisser a trouvé le corps vers 6h ce matin. N'en sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du tueur aux origami. Donc là, on est dans un terrain vague. Oui, j'arrive. Ah. Je vous laisse. Vous avez l'air occupé. Ça vous embête si je jette un œil? Comme chez vous. Hey, Jaden, venez me voir si vous trouvez quelque chose, ok? On est coéquipiers maintenant. Pourquoi j'ai pas pu lui poser les questions? Parce que j'ai pas sélectionné de questions à temps, c'est ça? Bah yes. Bah nice. Pas le droit d'ouvrir un yaourt. Super. Mais j'avais pas tout trouvé de ce que je devais trouver. Je croyais que c'est moi. Il est où? Il est où le lieutenant? Il est où? J'ai rien trouvé moi de particulier. Bah yes. Il m'invite à aller le trouver mais je peux pas. Du coup. Ah mais d'accord. Oui. Ok. Oui. Okay. Je suis censé trouver autre chose là? C'est pas exactement. J'ai tout fouillé là. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai loupé? Là-bas? Bah j'ai tout trouvé, hein, on est d'accord. Parler.
rigolo, pourquoi ils ne mettent pas tous les super anglais, je ne sais pas. Ils sont pas tous du FBI. Ça c'est le témoin. Mais pourquoi je peux interagir avec personne? Ah. Le sang. Du sang sur les rails. D'où est-ce qu'il peut bien venir? D'accord. Le corps est encore là. Comme ça. Là-bas, j'imagine. Je l'ai pas vu, moi. Enfin, je l'ai pas analysé, le corps. Commentaire. La victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. La victime a dans la main droite un petit origami. Le poing est serré. Les doigts ont probablement été fermés post-mortem. Blessure superficielle à la cuisse droite. L'analyse sanguine indique que la blessure pourrait être post-mortem. Sûrement une éraflure en déplaçant le corps. Le corps porte une blessure superficielle à la jambe droite à la hauteur de la cuisse. Le sang est identique à celui retrouvé sur les rails. D'accord. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. La victime est bien Jeremy Bowles, déclaré disparu il y a 5 jours. Voir dossier en référence. D'accord. D'accord. Et là, cette fois, je pense que j'ai tout vu. Non. Retourne au bureau. Restez ici. Non, j'en ai assez vu. Je vais y aller aussi. Par où je pars? Là. J'ai migré dans mon dodo. Tu vas au dodo, Evanima? C'est le cas, Evanima, toi, des gros poutous. Je pense qu'on est plus, on est plutôt vers la fin du stream de ce soir aussi. Dès qu'on changera de perso, en fait, je pense que je m'en vais. Quoi ? C'est là ma caisse ? C'est ça ma caisse ? Mais... Où est ma voiture ? Par où je m'en vais ? Ah mais c'est le témoin lui, non ? C'est pas un témoin lui ? Ok, c'est ça ma voiture ? Allô. Ah. Bien. La ceinture de... Non. Tout à l'heure, c'était la ceinture de sécurité. Thank you.
Mais le contact. Le contact.